好，我是生活在波尔多的花花。今天我们来到了圣爱美容小镇，特别美丽的一个小镇呢，是在波尔多的右岸。在我身边的这位先生呢，叫做 Guy Beatrice Lignac。Lignac 先生呢，是圣爱美容小镇旅游局的局长哦。今天请他带我们来逛一下这个中世纪的小镇吧。Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Merci. Donc, Guy Beatrice Lignac, j'ai été 9 ans président de la Société d'Histoire et d'Archéologie du village et 8 ans président de l'Office de Tourisme de Saint-Émilion. Enchanté. Jusqu'à cette année. Saint-Émilion, c'est une ville qui a été créée par un moine, Émilion, qui est parti de Vannes en Bretagne. Pour faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, le moine Émilion est passé par les Charentes, Saujon, et la ville de Saujon, et puis il s'est arrêté à Saint-Émilion. Voilà. Il a créé un ermitage à Saint-Émilion. Au XIIe siècle, ici, il y a eu la création d'une église qui est l'église monolithe qui est sous ce clocher. Là, vous avez un clocher ici.C'est une église qui a été construite à partir du XIe au XIIe siècle et c'est la plus grande église monolithe d'un seul bloc d'Europe. Et le clocher qui est au-dessus est du XVe siècle.这是小镇的主要街道之一。Rue de la Cadenne. Cadenne, c'était la chaîne.Une chaîne en haut qui empêchait les gens de rentrer. Lignac 先生如数家珍地说着每栋房子的故事。街道的尽头旁边就是小镇唯一的木质房子，建于16世纪。跟着 Lignac 先生呢，我们已经到了刚才那个广场的对面。看到我这个手指的方向，看到这个小小的建筑了吗 ？Donc c'est quoi l'histoire alors, s'il vous plaît? Ça s'appelle la Tour du Roi, mais il n'y a jamais eu de roi dedans. Ça a été construit au XIIIe siècle et jusqu'en 1720 à peu près, c'était la mairie du village.在我们就看到刚才我们在那个钟的下面呢，就是这个小钟塔。Ce clocher qui est du XVe siècle, et vous pouvez monter jusqu'en haut du clocher. 下次来的时候一定要叮登到顶端去来浏览一下圣爱美容小镇的美妙风光。他跟我说呢，在圣爱美容每年要接待120万左右的游客，对于这个小镇来讲，实在是非常多了。Tout à l'heure, j'ai vu une porte comme ça, en fait. C'est quoi l'histoire derrière, alors? Plusieurs portes à Saint-Émilion, mais celle-là s'appelle la porte Brunet, qui a été construite en 1200. Ça fermait l'entrée de la ville, voilà. Une vue magnifique de la vallée de la Dordogne et sur l'ensemble des propriétés qui sont au sud de la ville de Saint-Émilion.这些日子的圣爱美容小镇非常非常的安静，就跟着我的脚步在这里静静的游览一番吧。想要了解更多小镇的故事，可以在下面给我留言。
逛着，我就发现在这个村口呢有很多这种很大的 T 恤衫，刚才看到那个黄色。 Vous savez qu'en France il y a un, pour les amateurs de vélo il y a le Tour de France et le Tour de France va passer à Saint-Émilion le 17 juillet prochain 2021年的7月17号环法自行车赛呢会经过圣爱美隆小镇，到时候请你过来观看咯。 Merci beaucoup. Merci. 我是生活在波尔多的花花，喜欢我的视频麻烦你关注点赞并转发咯，下次再见咯，拜拜。